Eh bien, bonjour à tous, c'est Guillaume des Fermes du Dimanche. Je suis en compagnie de Cyprom. Hola. De Jonathan. Salut, salut. Et de Artanis. Et bonjour, bonjour. Et de Cyril qui nous regarde de haut, comme d'habitude. Hein. Va te faire voir, Cyril. Hein. Salut, Cyril. Ouais, non, mais il nous regarde de haut, là. Ouais, vous avez des petites merdes. Mais sa tête, elle me paraît plus bizarre que d'habitude, là. Ouais. Bref. Vous l'avez compris, on est sur les 1000 vaches. Donc, on reprend, nous, la carrière des 1000 vaches qu'on avait arrêtée pendant les vacances, entre guillemets. Hein, parce que nous, on a besoin aussi de se reposer un petit peu. Ça n'a pas été évident. C'est vrai que quand les jours de fête tombent les week-ends, pour nous, c'est pas évident à tourner, puisque on tourne bien souvent les week-ends ou les débuts de semaine. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est pas toujours évident. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on avait mis un petit peu les vidéos en pause. Mais vous en faites pas, les amis, ça va revenir. Ça va revenir, ça va revenir. Donc, les amis, on a du boulot un petit peu sur la partie. Putain, il y en a un qui est parti en speed, là. Tu vas faire quoi, Cyprom? Non, mais j'ai cru que t'avais modifié le panneau et que t'avais mis l'adresse du site, en fait. Pour ça, j'étais collé, collé au panneau. Non, non. Fais... What? Non, non. Cyprom, arrête de rêver au site. Hein. C'est bon, il est sorti maintenant. Ouais. T'as plus besoin Donc, les amis, c'est pareil. Donc, vous n'hésitez pas à aller sur notre site, lesfermedudimanche.org. Il est dans la description. On a quelques modes déjà qui sortent. Mais comme j'explique, on essaie de mettre ça en place un peu plus facilement pour moi. Pour que je puisse rajouter facilement des modes. Mais ça, faut que je vois. On va avoir un peu de temps cette semaine. Comme voilà. Pour ma part, je fais pas de live cette semaine. Donc, on va avoir un peu de temps. Voilà, on va avoir un peu de temps avec Sissi. On va pouvoir se mettre dessus et faire quelque chose de correct. Sur ce, les amis, on a du boulot quand même, un petit peu. Hein. C'est pas tout ça, mais. C'est gentil, moi je reviens de vacances. Alors, oui. Doucement. Hein. Donc, il y a un tracteur dans le champ 14 avec une autochargeuse. Il y a soit Cyprom. Enfin non, je voulais peut-être le faire un petit peu au départ. Donc si Artanis, au pire vous allez... Moi je vais aller charruer. Vous allez charruer tous les deux? Ouais, ça peut. Joe, tu me prêtes, Diwar, tu me prêtes ton tracteur, Guigui? Bah il y a déjà le tracteur avec le TTV avec la charrue ouais, dans le champ. Ouais mais ça je le laisse à Cyprom. Bah non, il prend le classe. Non mais je m'en fous du classe. Bah ouais, bah je prends le classe. Non mais tu dois lui faire la révision du classe. Justement. Descends de ton tracteur, il faut lui faire la révision. Et Clément non, non. Il est pas là. Je m'en fous. Eh mais vas-y, comment tu m'écrases toi? Faut que je contrôle. Faut que j'aille voir ce qu'il y a. Joe, t'es sûr que c'est jouable ou pas? Ouais ouais. Non parce que je te vois marcher au ralenti là. Au pire, Joe il pourrait faire peut-être un peu le compost. C'est pas trop loin et puis y a pas trop de mouvement. Bah... ramasser ma barre de coupe. Ah oui. Non mais si tu peux pas jouer, au pire, essaie de te TP dans la moissonneuse mais ou dans un tracteur. Ouais, Joe a des petits problèmes avec son PC à première vue. Je suis redescendu à 2 FPS. 2 FPS. Wow. Et là, ça vient pas de la partie puisque on a changé de... De serveur. Essaie d'aller dans le chargeur qui est au compost, Joe. C'est le champ 14, tu veux qu'on laboure? Ouais. Est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de me ramener une cuve d'essence? Ah, là je suis remonté à 15. T'es où? T'es au chargeur ou pas? Ouais, ouais. Et bah au pire Joe, tu vas vendre le compost? Ça te dérange pas? Non. Une cuve d'essence? Parce qu'avec 43 litres, je pense que je ferais pas le champ. Alors ouais, bah il y a la cuve... Bon. Bah ça te laisse le temps de faire l'aller-retour. Bah ouais, tu peux faire au moins déjà l'aller. Enfin le retour. Enfin revenir à la ferme. Faire le plein. Ok, j'ai compris. C'est qui a un volant qui fait du bruit là? Ah c'est moi. Voilà. Hop, allez, je vais me mettre en mode manuel. Crac, faut que je me rapproche mon joystick. Donc les amis, on vous souhaite à tous une agréable bonne année. Pourquoi j'ai dit une agréable bonne année? Non, une bonne année. Sachant que j'ai bon anniversaire, t'as pas repris en fait. Qu'elle soit agréable. J'espère que vous avez des bonnes résolutions. Et puis bah moi je vais faire tout de suite le hashtag. Hashtag résolution. Ah ouais, ça c'est intéressant ça. Résolution, résolution. Et vous nous dites quelle résolution vous avez eue. Comme par exemple Sissi, lui, sa résolution c'est d'arrêter de fumer.
Tu parles de quoi? De résolution réelle, inventée ou... Parce que j'ai pas bien compris le concept là en fait. Non mais voilà, dites-nous quel genre de résolution, enfin quel genre, quelle résolution vous avez pris pour 2018, mis à part regarder toutes nos vidéos deux ou trois fois. Ouais, alors là deux, trois fois, moi j'aurais dit une dizaine de fois. Ah, non mais voilà, dites-nous un petit peu moi, ce que... Moi j'ai pris une bonne résolution Guigui pour 2018. Laquelle? Bah c'est, pas... c'est de ne pas changer. D'accord. Ça, c'est de la résolution, ça. Ah bah attends, elle est compliquée à tenir, en plus, hein. Non, non bah moi, j'ai... comme d'habitude, hein. Il faudrait que vous m'expliquiez un truc. Lequel? Pourquoi, dans un virage, j'ai une barre de coupe qui traîne? C'est normal, c'est normal, c'est normal. Cherche pas à comprendre, c'est normal. C'est comme la masse. C'est comme c'est la pas... masse. D'accord. En fait, Joe, il a toujours aimé le petit poussé. Ok. Et du coup, il laisse un peu de lui un peu partout. Mais D'accord. Non, mais c'était juste pour savoir. Bon, hein, sachant que la masse, c'est quand même moi à la base. Hein. Oui, mais ça reste des bouts de Joe. Ah oui, donc en gros, Cyprom, si je comprends bien, tu rejettes la responsabilité sur Joe pour les erreurs de Guigui. Bah non, parce que la barre de coupe, c'est bien Joe pour le coup. Ouais, mais la masse. Ah bah la masse, ça reste un bout de Joe, c'est ce que je dis. Donc moi, bah, les résolutions 2018. Voilà quoi. Encore plus de failles. Ah non, bah non, justement, je vais essayer de diminuer les fails. Mais voilà, comme toute bonne résolution, bon, bah, c'est dur à tenir. T'en vas? Hein? Tu quittes la LFD? Qui? Bah toi. Toi. Moi? Pourquoi? Bah ouais, tu veux faire moins de fails, hein, c'est pas possible. Quoi? T'es juste dans une team qui est dédiée aux fails, tu qui vois, me il y a parle? Un truc qui va... Il y a un truc, je comprends pas. Là. Oui. Tu quittes? Oui, je vous quitte. Ouais, ça y est. Je vais dans la LFD, le fermé du dimanche. Ils font quoi, eux? Bah, c'est une team où je serai tout seul, en fait. Ils ferment le dimanche. Ok, je sors. Tu voulais essayer de faire quelque chose? Non, non, mais laisse tomber. Ouais, parce que... Je crois qu'il y a que lui qui a compris, en fait. Oh, mais putain, mais ça me saoule. Pourquoi elle s'est retournée, cette barre, à la con, là? Yes, yes, yes. Et comment je vais arriver à la mettre d'aplomb, moi? Ah bah, tu te débrouilles. Oh là là, mais non, mais tu sais, l'accroche, elle s'est mise contre le mur. Tu te débrouilles. Bah, il y a un tracteur qui est sur la fumière, tu peux peut-être le prendre. Un tracteur qui est sur la fumière? Pourquoi tu me parles de tracteur, toi? Bah, pour avec une fourche, pour essayer de récupérer. Bah, avec une fourche, pour essayer de sortir la barre dans le mur. Ouais, j'ai des doutes. Donc voilà, ouais, donc hashtag résolution, vous mettez ce que vous avez pris comme résolution de 2018, qu'il soit réaliste ou pas réaliste, hein, bien sûr, hein, peu importe. Non, Cyprom. Quoi? Ne mets pas le tracteur dans la fumière. Ah si, moi, résolution 2018, c'est trouver une madame. Bah en fait, moi j'ai un problème, j'ai demandé... Ah, tu veux la trouver à monsieur? Papa Noël, il me l'a pas livré. J'ai un problème, j'ai vu un monsieur. J'ai contacté le SAV. Parce qu'ils se sont foutus de ma gueule. J'ai demandé une madame, ils m'ont envoyé un monsieur barbu. Ouais, bah justement, j'avais téléphoné à Orange pour ça. Ah bah ça, on n'y peut rien, tu te débrouilles pour ces trucs-là. Voilà. Donc, non, bah moi, ma résolution, ouais, ça va être changer de voiture. Éventuellement trouver une moitié. Elena, si tu nous écoutes. Pardon. J'ai eu peur pendant deux secondes, je croyais que tu parlais d'une moitié de voiture. Ah. Bah, si, lui, c'est de devenir polygame. Non, 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 ça va aller. Coucou Sabrina. Non, 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 hey, Sabrina. Chut. C'était, c'était pas Pam plutôt? Non, 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 t'as... non, non, non. C'était bien Sabrina. Tu vas voir la rediff de samedi, il y a eu un problème. t'as trouvé une deuxième madame Cyprom? Bah, ça manquait, mais ça va, elle est prise. Monsieur la calmera, je pense. Puis je pense que madame Cyprom aussi, non? Ah bah, madame Cyprom, elle va bien calmer, ouais. Hier, je suis passé sur le live vite fait. Et je vois Guigui commencer à en parler, je t'ai coupé le live en 30 secondes. Pourquoi, t'as eu peur des représailles? Ouais, bah... Non mais il avait mis le live sur la télé. Non non, sur le téléphone avec le haut-parleur et tout, tu vois. Ah, je fais, non non mais c'est bon, on va pas prendre de risques, hein.
Sous un malentendu, ça serait quand même très con, hein. Mais après, il y a rien eu, hein. C'est juste que Sabrina avait un léger problème avec moi et Guigui en caleçon sur PUBG. Ah bon? Ah oui. Oui, d'accord. Ah bon? Ouais, c'est... Oui, je oui, ah pas bon, être là, moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah si, t'étais le dessert. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis la flèche rouge. Oui, ah oui. Ça, c'était fort, ça aussi, j'ai bien aimé. Voilà. Putain, mais ce qu'il faut pas faire pour sortir une charrue. Donc voilà, dans mes résolutions, voilà, c'est ça. Comme d'habitude, hein, perdre du poids, arrêter de fumer. Ah, moi, tout ça, j'ai abandonné. Hein. De quoi? Perdre de poids, d'arrêter. Enfin, arrêter de fumer, si, ça va peut-être se tenter, mais c'est pas une résolution. Je vais essayer, mais c'est pas une résolution. Et perdre du poids, j'ai laissé tomber. Quand je rentre le soir, parce que je vois ce que ma femme me prépare à manger, j'abandonne. Ah, bah, faut changer de femme, tu vois. Voilà. Ah non, elle est très bien, ma femme. Bah, c'est de sa faute si t'as du poids. Non, c'est pas de sa faute. Bah, si, elle fait trop bien manger. Bah non, c'est la faute des calories des plats, mais c'est pas de sa faute à elle. Elle se débrouille pour qu'on mange bien et qu'on soit en forme, et elle se démène pour ça. Par contre, je suis en train de commencer à labourer le champ 14. Oui. Oui. Mais il reste de la paille dans le champ 14. Oui, alors tu commences en haut du champ 14. Oui, bah c'est ce que j'ai fait, mais il y a quand même de la paille dans le champ 14. Oui, mais tant que vous arriviez à la paille... Ouais, parce que moi je suis pas arrivé déjà. Alors, déjà, je vais regarder un truc. Oui. Non, c'est bon, on va pas se foutre de ma gueule. Elles sont bien dans le bon sens? Ouais. Ça dépend. Ah, c'est la plus grande à l'arrière et la plus petite à devant. On est d'accord. Putain, je fais pas mal de retrucks en ce moment, ouais, et j'ai tendance à vouloir passer la 5ème et la 6ème sur le tracteur. Ah ouais. Il y en a qui ont essayé. Hop, un peu du intérieur. Donc les amis, aussi, je vous dis une bonne nouvelle au sujet de ma map. J'ai trouvé le problème des rétros. Donc les rétros sont fonctionnels, enfin. Ouh, yeah. Sur ma map. Mais... C'est bon. Mais c'est pas trop tôt, hein. Bah ouais. Là, je trouve aussi que t'as mis le temps. Hein. Bah ouais. Mais il fallait que je trouve le problème du pourquoi, du comment. Et d'ailleurs, merci à Seb37, hein. Merci à ETA Molon, merci à Tom Farmer. Donc merci à vous, tout du moins, ou à vous tous, pour les remontées de bugs sur ma map, ça me permet de corriger les bugs, et normalement, si je dis pas de bêtises, d'ici, allez... À la fin du mois, on va dire, parce que... Ouais, même peut-être même avant. Ouais, mais fin du mois, parce que il peut toujours y avoir un bug de dernière minute. Ouais, on va dire fin du mois, mais en précisant pas le mois, comme ça, on est tranquille. Non, moi j'ai une phrase qui va très bien, prochainement. Tu peux même rajouter très prochainement, tu vois, c'est très vague, non. Ça reste très vague. Non, parce que, toi, fin du mois, c'est encore même plus vague. Parce que tu sais pas de quel mois, mais tu sais pas de quelle année non plus. Dans quelques temps. Bientôt. Il se peut que... Il fut un temps. Oh non, il fut un temps, c'était en arrière. Un temps, c'est passé déjà. Ah là là. Si prom, toi le français. Ah ouais, non, on s'aime pas, hein, on le sait. Hein. Ah bah, on avait vu, hein. On a bien vu, j'ai regardé sur le site, il y a encore plein de trucs qu'il faut que je regarde d'ailleurs. Ouais, c'est marrant, mais je pense que. Avec Sissi, on a dû faire la même école, je pense. Oui, mais sur des anciens postes. Ouais. Il y a un peu de travail. Je ne dirais pas dans les... Parce que j'ai vu pendant les vacances... Non mais t'inquiète, il y a de fortes chances que tu sois pas le seul qui l'ait vu. Hein. Un message qui dit que vous avez mis à jour... Nous ? Les données de la team. Hein ? Les jeux préférés, ça m'a pas trop plu. Ah ? Non mais ça a toujours pas évolué. Oui. Mais tu sais pourquoi Oui, bah c'est pour ça que je dis qu'il... Non mais là c'est toi qui dois être à jour là. C'est toi qui as besoin de la mise à jour pour le coup. Oui, non mais c'est pour ça que... Donc voilà, donc pour le coup, c'est vrai que pour le site internet, on s'en est un petit peu... Enfin, j'ai essayé de poster un mode par jour sur le site, mais je vous dis, c'est pas évident à le faire. Ça a été compliqué, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de travailler sur un autre truc, mais ça marche pas comme je veux, donc... Mais voilà, pour ceux qui s'inquiétaient,
Tout va revenir à la normale. Voilà. Après, j'ai eu un message aussi, et je le remercie d'ailleurs. Il s'en est excusé, mais je vois pas de quoi. De dire que les autres de la team n'étaient pas impliqués dans la team. Si, ils sont impliqués à leur façon. Alors oui, il est vrai que je gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses moi-même. Comme j'ai expliqué en live, tout simplement pourquoi. Parce que plus on est à gérer de choses en même temps, et plus c'est vite la merde. C'est peut-être pas français ce que je viens de dire, mais je me suis compris. En fait, si ce que tu veux dire, Guigui, c'est que plus il y a de monde qui gère la même chose, et plus tout le monde, on va s'embrouiller, il va y avoir des soucis. Voilà. Donc, il vaut mieux qu'il y ait qu'une personne qui gère le principal. Une ou deux personnes, les autres voilà. De la team participent aussi bien, comme j'ai répondu au viewer qui a fait cette remarque, aussi bien en visible qu'en caché. Ah oui. Ah bah et oui. Le caché est aussi important que le visible. Que le visible. Ouais, par exemple, une chose toute bête, Ford par exemple, lui participe à sa manière puisque il nous apporte des connaissances techniques déjà d'une part, mais surtout il nous trouve pas mal de modes, des petits modes à la con. Là je pense que très bientôt, peut-être même ce soir si on peut, on va peut-être pouvoir changer un tracteur. Et le nouveau tracteur, c'est lui qui l'a trouvé. Voilà. Après, c'est les membres de la team s'investissent pas tous de la même manière. Et comme disait Artani, ça peut être en visible ou en invisible. Voilà. Donc, et puis surtout, chacun s'investit avec ses connaissances et ses possibilités. Voilà. Aussi. Tiens, Guigui, en parlant de mode, cet après-midi, j'ai regardé sur un truc. Oui. Il faudra que je te le donne pour que tu puisses regarder, voir comment il se comporte. Mais ça peut être intéressant par rapport à une chose que tu as développée qui est en test. Ouais. Oui. Si tu le dis. Je vois pas de quoi tu parles, mais si tu le dis, oui. Bah, tu sais bien que tu as fait une... Toi, on verra après la vidéo. Ouais. Non, mais ça, tu l'as déjà montré en oui. Live. La barre à trous. La barre à trous. J'ai peut-être fait un équipement qui va utiliser la barre à trous. D'accord. Ah ah, bah vous verrez dans les prochains épisodes. Voilà. Putain, mais donc, il y a un rendement de paille là, mon pauvre. Ah oui, mais il y a Cyprom qui revient là en fait. Tu reviens, c'est ça, Sissi. Mm-hmm. Donc faut peut-être pas que je commence tout de suite à labourer. D'où l'utilité du GPS. Ah oui, mais non. Bah si. Ah bah non. Bah là, si, là, faut, à deux, faut le GPS. Bah, si. Mais après, c'est comme tu veux. Oui, bah non, parce que le GPS... Bon, par contre, si, si, t'as encore du... Moi, je le mets, t'as juste à te caler sur moi. Hein. Bah oui, mais justement... T'as encore du progrès à faire, si, si, au niveau du labour. Hein. Ah bah moi, je sais. Mais regarde, là, il y a des tracés aussi, moi, de mon côté, là. Et je suis pas passé, là, à droite. Si, si. Non, non, mais si, si, t'as des progrès au labour à faire, c'est que normalement... ta charrue doit être dans l'autre sens. Hein? Hein? Je vais lui... Attends. Je vais regarder ce qu'il a fait, mais... Ouais, bah, il a son premier socle à l'avant qui est à l'extérieur, donc du coup, il reroule sur son labour. Question, raconte. Bah, je vais te montrer comment... Ta charrue à l'avant, elle devrait être tournée dans l'autre sens, et la charrue arrière devrait aussi, tourner dans l'autre sens. Bien. Voilà. Parce que là, comme tu fais, en fait, tu reroules dans ton labour. Mais dans les deux cas, je reroule sur mon non. labour. Quand t'es sur non le mais banc, aussi, oui, secondes, mais c'est... Secondes, oui, laisse-moi capter, laisse-moi capter. Putain. Voilà, ta charrue, elle doit être comme ça. Normalement, voilà, ta charrue avant, la charrue avant doit être côté labour, en fait. Merde. Bon, c'est qu'un jeu. Là, oui, ça marche très bien comme ça aussi. L'idée, c'est que je capte le truc, quoi. Mais en réel, normalement, ton premier soc, il doit aller dans l'arrêt de labour. En fait, dis-toi que le dernier socle de ta charrue, c'est lui qui te fait ton sillon pour mettre la roue du quand tu fais le retour. Voilà. Que là, okay. En fait, ton premier socle était à l'intérieur du champ, si tu veux. Ouais, ouais. Ce oui, qui oui, fait bah, que, bah, normalement, en réel, t'aurais deux... Enfin, t'aurais deux sens de labour, quoi. Marche avant, ça marche. C'est mieux, normalement.
C'est quoi le jeu pour activer le GPS? C'est contrôle. Contrôle 0. Contrôle point. Ouais, contrôle. Enfin, c'est contrôle 0 du numpad. Oui, c'est contrôle 0. Et contrôle point pour l'afficher en entier. Et contrôle point pour l'afficher en entier, ouais. Sauf pareil, que, tout du numpad. Hein. Mais il est pas bien réglé. Putain, comment on le permet? Ça va, tu t'en sors, Joe? Comment? Comment? Non, je disais, ça va, Joe? Et voilà. Et pour récupérer attends. Le... Attends, je suis en train de le régler. Ah putain, par contre, ouais, il prend pas le travail, ok. Du coup, t'es comme ça. On va le décaler un peu. Hop là, route sur la route. Ouais, mais c'est normal. Faut juste que je leur décale, en fait, pour qu'on puisse bien s'aligner. Donc les premiers sillons, on va repasser sur les mêmes... T'as essayé de retourner à la ferme, Joe, ou pas? Non, j'ai pas essayé. Ok, alors normalement... T'es toujours au compost, là? Tu le réactives, t'es censé aller sur moi. Hop, ça produit toujours. Didier, je me trompe pas. Hein, de quoi? Là, moi, je l'ai réglé et tout. Normalement, c'est le désactive qui le réactive. Là, il a scalé sur moi. Non. Non, faut qu'il clique sur la petite... le petit caddie. Faut qu'il se mette à côté de toi et qu'il clique sur le petit caddie. T'es où, là? T'es en bas, là? Normalement, t'as un petit caddie. Jusque me voir et puis... Oui, c'est ce que je te dis, t'es en bas, là. Oui. J'arrive sur toi, là. Hop, je vais poser ça, là. Ah. Ok, donc là c'est bon. Hop là. On va remplir là. On va pas toiler dedans. Ouais, pardon. J'ai bien remis. Vas-y, vas-y, c'est bon, on rentre en mode tour. Je te dirai rien. Qu'est-ce qu'ils nous font les deux? Non, attends, je vais me caler. Alors déjà, tu retournes tes charrues. Eh ben, deux secondes. Oh. Déjà, je me mets dans mon sillon, dans le sens qu'il faut. Dans le sens de la marche. Voilà. Hop. Alors, là, tu te mets à côté de moi, tu lances ton GPS, et là où il y a marqué basique, t'as un petit caddie avec une flèche qui va vers le bas. Alors, attends, parce que là, il est activé, j'ai désactivé avec le point... Je le réactive. Merde, putain, je vous passer la marche arrière avec la marche arrière du G27. Ça fait pour. Ça me paraît bizarre là. Bah, au pire, au pire, vous inversez le tracteur 30 secondes. Ouais, oh, attends, Artanis, parce je vais te le faire. Parce que pour moi, il est pas bien réglé du tout. Sors du tracteur. Sors du tracteur. Pourquoi il est pas bien réglé? Hop. Tac, 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 hop, non, si, c'est bon, il est bien réglé, mais il faut que tu t'en décales. En fait, il faut bien t'en remettre, parce que là, il est réglé sur la ligne d'à côté. Oui, non, mais après, décalé, mais j'avais pas la ligne verte, et puis le... Ouais, normalement, c'est bon, tu l'as, la ligne verte, là. Et s'il est bien réglé, normalement, quand tu vas démarrer, il devrait pas faire d'espace entre nous deux. Normalement. Ça a l'air. Hop. Tu l'as activé? Ah, mais parce que non, il est pas activé. Ah ouais, c'est CTRL-Z pour l'activer. Pour suivre la ligne verte. Et normalement, t'as un bip qui va émettre. Normalement. J'ai entendu un bip, on va voir. Bah attends, normalement t'as plus qu'à accélérer. Et t'as un jour entre les deux trucs ou c'est bon, vas-y? Non, ça a l'air d'être bon. Ok, bon bah c'est que l'écartement je l'ai bien réglé parce qu'il l'a pas pris en auto, tu sais, comme il y a deux socles. Ouais, non bah ouais, il le prend pas forcément en bonne largeur. Ça je sais.
Éventuellement, Joe, si t'arrives à aller au corps de ferme, essaie de donner à manger aux vaches. Voilà, je suis parti pour aller chercher la barre de coupe. La barre de coupe? Mac. Bah dans ces cas-là, tu vas dans le champ numéro 1 avec la moissonneuse. Il faudra, je pense, à mettre le... Ah mais non, parce qu'elle lock pas les grandes barres. Ouais, si, il faudrait que je la mette, mais au pire, il faudra qu'on la déplace avec les tracteurs. Non mais normalement celle-là elle va bien, mais c'est juste que l'autre jour je laguais comme un porc donc... Ouais non bah... Ça va mieux là ou pas? Ouais ça va pas mieux. Ouais c'est le temps que ton PC charge la map ouais. Puis on commence aussi à avoir beaucoup de mods, on commence à avoir beaucoup de... Il y a beaucoup de culture aussi dans les champs. On va dire que c'est du rêve mais... C'est mieux que rien. C'est jouable quoi. Au pire je vais finir la partie de gauche. Vas-y moi. Ok. Excusez-moi, ça vous aura tous réveillé, j'espère. À tes souhaits. Ouais, déjà 26 minutes qu'on tourne. La vache. Déjà. Et on a rien fait. Bah pas grand-chose, j'ai fait deux auto-chargeuses, moi. Bah nous, on vient de commencer les labours, en fait. Les ouais. Parce qu'on a fait quoi, 4 simions à nous deux, là. Enfin, ah, vous allez aller assez vite, quand même, je pense, là. Bah là, on arrive à 15 km/h, dans les zones où déjà, on a des lignes de... paille. Ouais, bah ouais, mais il faut plus vite. On a réglé les GPS et qu'il y a une pointe. Bah, déjà, ça va aller un peu moins vite parce que moi je vais faire la partie de gauche donc déjà. J'arrive, hein. Je suis pied planche. Ouais, mais... Je suis pied planche. Bon, t'as pour être embêté. Pour non, j'ai pas de JCB non. Avant que ça nous embête, il y a deux allers-retours de Ozzy. Hein. Donc, au moment. Ah, ouais. Non, il y a un aller-retour. Ouais, oui, excuse-moi, un aller-retour, oui, oui. Non, c'est parce que ça faisait un et... et un, et en fait, il a fait deux. Ah, ouais, ça voilà. Fait deux, mais c'est et pas des en allers-retours. Fait, ouais, c'est... Mon esprit s'est embrouillé. C'est un aller et un retour, c'est pas un... deux allers-retours. C'est ça, exactement. Non, mais vous inquiétez pas, il s'est pas compté non plus. Ah non, non, mais les vacances n'ont rien arrangé, faut pas... Ouais, aller. Carrément, ouais. C'est ce que je vois. Parce que vous espérez qu'il y a un mieux, mais non, c'est pas possible, en fait, c'est déjà trop tard. Il faudra qu'on prenne une auto-chargeuse plus grosse. Et j'ai trouvé une Lely 3 essieux, faut que je la teste. Oh. Pour le coup, faudra que je la teste. Mais il faudra presque qu'on ait même deux d'auto-chargeuses parce que... Bah sur des champs comme ça, avec les rendements qu'on a maintenant... Par contre, Joe... Si oui. T'attaques le champ 1 en moisson, on récupère pas la paille, hein. Non, 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 bah pourquoi? Bah parce que, attends, t'as déjà tout ce qu'on a là. On a encore un champ, on a encore le 16 en orge. Donc on a de quoi encore récupérer de la paille là-bas dessus. Donc, Non, puis ça fera une passe d'engrais. Puis ça fera, voilà, ça fera une passe d'engrais en plus, donc, Donc pour le coup, voilà quoi, de la paille, on en a. Pour l'instant, quand on aura passé tout ce qu'on a dans le compost, je pense qu'on va déjà être pas mal. Ouais, et puis il faut qu'on élimine les grosses bottes. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est pas bon en fait. De c'est... quoi? Ah, mais non. Putain! De quoi qui est pas bon? Non, rien. Hein? Bah, s'il y a rien, alors c'est bon. C'est en fait quand tu fais CTRL A au lieu de CTRL Z, ça fait des trucs bizarres. Ah. Comme le fait de perdre ses charrues. Ah ouais. Je viens de semer mes charrues dans le champ en fait, normal. Va bien. Ouais, récupérer des charrues. Tiens. Bon, tu feras gaffe, Guigui, hein, tu prends pas les charrues à l'auto-chargeuse. Bah, on va essayer. Attends, du coup, j'ai dans le bon sens ou pas là? Ça dépend par où tu vas. Bah tout droit. Mais tout droit le du côté bah, d'herbe. Bah devant moi. Oui mais du côté d'herbe ou du côté champ? Bah côté champ. Donc t'es à l'envers. Ok. Faut toujours que ton premier socle devant toi... Ah soit oui, côté... Côté... Non, le truc où tu vas, d'accord. Où ça a déjà été charrué. Okay. Soit côté charrué. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ouais. Plus simple à retenir.
c'est le premier socle, toujours du côté où ça a déjà été charrué. Et si t'as un, si, t'avais, si on n'avait pas la charrue à l'avant, bah c'est le premier socle de la charrue arrière qui doit être du côté où ça a déjà été charrué. Ah oui, ou alors, si fait, tu veux, le dernier... À l'envers de ce que je mets là, quand tu l'as qu'une seule charrue. Bah là, c'est bon, là. Oui, mais si j'en aurais qu'une, j'aurais fonctionné non. à l'envers. Non, là, t'aurais été bon. Pareil. Ah, ça aurait été bon, aussi. Oui. Dans ce sens-là, t'aurais été bon, puisque ton premier socle était côté labour. D'accord. Eh, Guigui, oui. Il faudra qu'on lui donne une formation... Ouais. Il faudra que tu l'invites chez Ford, et que Ford lui donne une formation de labour en vrai. Pour qu'il voit ce que c'est de labourer les champs. Bah moi quand j'allais chez mon tonton et ma tata, bah c'était que pour les moissons, alors les labours. Hein. Bah c'est pour ça que je dis qu'il va falloir qu'on te forme. Ouais. J'allais bien dire un truc mais je le dirai pas. Oui, oui, ça sent la connerie ça. Ah oui. Ouais. Ouais non, puis ça se dit pas en vidéo. Il y a des enfants. Voilà, ouais. Ouais, et puis non. Ouais, mais non, ouais, mais en plus en famille, non, ça, voilà. Oui, oui, non, mais non. Je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Oui, oui, oui. Donc, non. Ça ira. Voilà. Ouais, ça fait du bien aussi de retourner un peu des vidéos, je sais pas vous, les gars. Ah ouais, carrément. Non. Non. Donc, non, mais ça fait du bien aussi, des vidéos. On va essayer de nous mettre un planning vraiment en place, tip top nickel. Pareil pour les lives, on va essayer, faut qu'on en discute, comme on vous a dit le samedi soir, on va essayer de vous proposer, pas des lives à thème, mais... Ouais, pas loin. Mais pas loin, ouais. Et j'ai pensé à une petite idée, je pense que ça pourrait être sympathique. J'aime pas. Vous aurez un petit peu moins de farming en live. Mais vous aurez d'autres jeux. Vous aurez d'autres jeux. Mais si, elles sont bien, mes idées. Non. Si, elles sont très bien, mes idées. Non, tu peux demander à Ciprom, elles sont pas très bien, tes idées. Si, elles sont très bien, mes idées. Ça dépend lesquelles. Il y a des fois, je me dis... Aïe. Ouais, tout de suite. Ouais, je crois que je vais vraiment finir par pire tier de la team. Je vais aller créer ma team tout seul. Et fermer tout seul. Tu dis, ah ouais, bien. Et là, tu fais, c'est toi. Donc, les amis, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne du fermier tout seul. J'avoue, elle était facile celle-là. Bon, bon, foiré. Bon. C'est tout de suite. Je vais arrêter YouTube. Non, tu peux pas. Pourquoi ? Non, mais il y en a déjà plein qui l'ont fait, ça marche ouais, pas. Ouais, ça ah, marche pas. Déjà, un, ça marche pas, et puis... En plus, t'as besoin de la YouTube monnaie. Bon, non. Non, parce que... moi, je travaille. Et ben, comment tu fais pour te payer tes voyages sans la YouTube monnaie ? Ah, oh, ça. Hein? Et le gardiennage de ton yacht, hein? Ah oui? Ouais, bah alors attendez, en parlant de yacht. Bah tu sais, celui de Ciprom, il t'a livré le dernier coup. Qui est jamais arrivé. Qui est resté sur le bord de la route. Pour le coup, en, oui. En parlant de yacht, c'est mes potes. Pour le nouvel an. Ils disent, ah, l'année prochaine, on fera le nouvel an sur ton yacht. Ouais! Mais bien sûr. Ah bah nous on y croit tous, hein, on attend que ça. Hein. Bah on attend que ça, ouais. Bah si je gagne l'euro million, ouais. Bah, au mois d'août, c'est pas ce que t'avais prévu. Hein? Bah tu on nous as dit que le 15 Attendez, je passe dans un tunnel, là. Je suis dans un tunnel, je capte mal. Allô? Allô? Ah, foutu réseau. Allô? Il me parle. Et je t'en fous du réseau, moi, tu vas voir. Ah bah justement. Non, laissez-moi tranquille, je travaille pas là, merde. Ouais, alors déjà que t'accroches tes couilles au haut du poteau... Oui, bah écoute, hein, je fais ce que je peux et comme je peux, tant que je dépanne les gens. Ah mais tu vas pas nous dépanner par contre, hein. Bah pourquoi faire, t'es pas en panne. Bah si, je suis en panne, j'ai pas la fibre. Mais non, mais toi t'es pas en panne, t'es en galère. C'est pas pareil. Hey, un petit peu de vue intérieure,
Voilà. Non, mais c'est vrai que pour le coup, je sais plus ce que je disais, tiens. Et toi, Joe, c'est quoi tes résolutions? Parce qu'on parle Ah de nous. oui. Mais moi, j'aimerais bien entendre Joe. Et de parler un peu plus, non? Ah, ça Ouais, peut être non, mais sympa. des résolutions qu'on peut tenir. Ah, l'enfoiré, putain, celui-là. C'est bon, je ferme ma bouche. On verra pour 2019, du coup. Ça y est, là, maintenant, Joe, il est vexé. Il est vexé. Mais non, Voilà. Joe, je t'aime bien. Voilà les viewers. Il y avait eu une tentative de Joe. Eh, hey, Joe, hein, il paraît que quand on aime bien, on châtie bien. Ouais. Ouais, il chatouille vachement bien, Guigui, apparemment. Ah bah, il doit m'adorer à ce point-là. Ouais, platonique, hein, platonique, hein. Ah bah après Et tu peux pla vous soutenir enlevez pas le Capu pour la Coupe du plateau, Monde quand même. et vous enlevez pas le plateau, hein, devant. Ah bah tu fais ce que tu veux du plateau, hein. Ah, c'est platonique, Ou platonique, plutôt je hein, dirais tu fais ça où tu veux. mais. Ah non. Et avec qui tu veux? Ah, Nous, qui veut? cela ne nous regarde pas. Allô, Cyril? Ah, pardon, excusez-moi. Ah oui, on Non, sait, laisse hein. Cyril tranquille, il est en train de travailler. Je vais aller attaquer en bas. Ce qui en reste en bas. Ouais, parce que je vais peut-être l'accrocher avec. Oh non, Merde. mon tank. Ah oui, peut-être celui tout en bas. Ouais. Hop. Alors pour le coup, on va refaire du compost, hein, parce que c'est ce qui nous permet vraiment de rentabiliser notre exploitation. Agent, 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 Argent. remboursement de crédit. Bah peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, parce que comme je disais, on a un tracteur à acheter. Bon, je vois pas Ah pourquoi tu bah. dis ça. Ah oui, là je sais. Ça serait pas pour remplacer celui de Joe? Ah, c'est ce qui me semblait qu'il avait des problèmes de. Ouais, non, non, on en a un là. Parce que le tracteur, ils l'ont livré, mais ils l'ont livré avec des poneys, pas avec des chevaux. Avec des poneys. Ouais, je crois que ça fait peut-être même des mules, tu vois. Non, des poneys malades. N'oublie pas, ils sont malades, tes poneys. Des poneys Incurables. unijambistes. Des poneys unijambistes, ouais, ça peut. Non, moi, je pense plutôt que c'était des mules. Bah, Ou des moi, j'y ai mulets. vu arnaque. Hein. Donc là, Ford nous en a trouvé un petit oignon. Mais il faut qu'on voit si on va pouvoir l'acheter. Je sais plus combien il coûte. Et pourquoi tu veux faire des oignons? Et Parce pourquoi que. petit? T'as un problème de taille? Ouais. Bah ouais. Tout est grand chez moi donc. Oh, l'autre. Ça T'as va, que les toi? chevilles, elles enflent pas de trop? Non, mais il a dit qu'il allait trouver une madame cette année. Hein. Tu sais pourquoi maintenant? Je vois pas Oui. pourquoi, non? Bah, c'est pour ça qu'il y a autant de vantardises en ce moment. Je sais pas, j'ai loupé une semaine, donc j'ai pas tout suivi depuis le début, donc. Oh, t'as pas tout loupé. Donc, bienvenue chez le fermier tout seul. Bis, Bis. bis, enfin bis, 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 bis. Tiens, je vous roule dans le labour. C'est pas grave, hein. En même temps, c'est que des labours. Je te dirais que, en plus, ta benne bien remplie dans les labours, ça doit bien te secouer. Bah, ça a surtout écrasé le labour, hein. Ah bah, il y a des chances un peu, ouais. Bon, par contre, les gars, va falloir ralentir un peu parce que. De quoi? Ouais, on est qu'en première. Ouais, bah, mettez la demi. Bah, je suis en P1 G4. Ouais, bah Moi, ouais, je P1 suis G4, ouais. en. Je sais pas parce que je l'ai dû l'enlever. Pas de notre faute si t'as une petite contenance, hein. Mais au pire, vous pouvez commencer de l'autre côté aussi, et un petit peu, vous pouvez en faire un petit peu de l'autre côté, là. Il y en a un qui peut arrêter de labourer puis venir avec une benne, hein. Aussi, ouais. Une benne. Ah, mais ça, on va être obligé de le laisser à Cyprom, Ou alors non, les puisque lui, amis, c'est moi, pas je sais ce qu'on labouré. va faire. Je vais peut-être tourner un petit peu. Je vais prendre une benne, moi. Si, si. Tu vas prendre le John Deere. Ouais. Et puis tu emmènes la paille au compost.
Ok. Alors tu verras au compost. Hop. Tout de suite, avant d'arriver au compost. Bah au pire, tu m'appelles quand t'es au compost. Voilà, ça sera plus simple. Ok. Ok. J'ai pas tout compris, mais... Moi non plus. Parce qu'en fait, s'il peut pas mettre dans la machine à compost, il peut mettre dans le hangar qui est au-dessus. Voilà, ouais. Il y a un hangar au-dessus, en fait. Alors moi, je regarde vite fait le tracteur. Le J'ai pas tracteur. tout compris, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui devait être dit. Le tracteur, il est où? C'est lequel? Moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai gagné du temps. Je crois que c'est celui-là. Quand j'ai vu qu'il était déjà en train de remplir le constat de son carambolage de mots, C'est ça. j'ai abandonné, hein. Hop. Bon bah, il nous manque encore de l'argent. Ah bah je pense que les fêtes n'ont pas réussi, hein, Ah Guigui. non, non. Hein? De quoi? Ouais, attends, tu peux parler, toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme fail pendant que j'étais pas là? Oh, bon, pff, au Ah niveau bah des j'ai mots, pas c'est trouvé pareil, qu'elle a hein. non plus pour le coup. Au niveau des mots, c'est pas mal non plus, hein. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai, non. Je ne vois même pas de quoi tu parles. Non. C'est votre faute, avant je parlais très bien et tout, j'avais un langage courtois et correct. Ah, court. Et je suis arrivé à Surtout la... court, hein. Ouais, très court. Très, très court. Hop, allez, on coupe le Ah, t'es dans le champ moteur. numéro 1, Joe? Ouais. Et je suis dans le JD qui est plein, ok. Oui, il est plein. Ouais. Hop. Ok. Il faut démarrer. Ah oui. Peux pas dire, nous avant on était sages, c'est depuis que Sicile est arrivé et Ouais, qu'on bah était ouais. vagabondés. Ouais, c'est carrément. Je Nous, n'ai aucun on rapport avec parlait ça. gentiment, voilà, on était fleurs bleues. Ouais, je sais pas si c'est la fleur ou le bonhomme qui était bleu, mais il y avait un truc quoi. Ça, je te l'accorde. Non, non. Ouh, j'ai failli passer à côté du... Ah, avec mon arrivée est arrivée la correction. Pourquoi tu veux Ah pas ben, les la droits, correction le dans le sens JD? inverse aussi. Pourquoi le JD, tu veux pas les droits? C'est un problème avec moi, le JD? Bah Ah, peut-être qu'il voilà. faudrait que tu tiennes ton volant. Ah, c'est ce que je fais, je ne fais que ça d'ailleurs, faut essayer de le mettre droit. Par contre, ce serait intéressant que tu viennes parce que sinon là je vais labourer de la paille. Ouais, bah en fait, tu vas freiner, puis tu vas C'est attendre que je bon, revienne, je viens juste de Joe. partir. Ah bon. Hop. Tac. On va continuer à vendre un peu le compost. Waouh, je suis obligé de prendre la route à gauche au croisement ou je peux aller en bas? J'ai l'impression qu'il y a un chemin. Attends Attends, tout. je vais te guider. Non, mais attends, attends. De quoi, Guy? Non, tu peux continuer tout droit et t'as un chemin sur la gauche. Ouais, c'est Prochain, ça, la prochain prochaine à chemin. gauche, tu prends. Ok. Oui, non, mais voilà, mais tout en bas, il n'y a pas. Non. D'accord. Parce que sur la carte, on dirait qu'il y a un chemin. Là, tu vas à gauche? À gauche? Oui, je sais. Alors, me demandez pas pourquoi dans Godet c'est blanc et que par terre c'est noir. C'est la map qui fait ça. Faut pas chercher à comprendre. Ou alors c'est le godet. Non, 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 bah non, c'est le godet de base. Non, mais je sais pourquoi, parce qu'il en fait il a pas importé les textures, les planes qu'il fallait dans la map en fait. À droite? Ouais, bah je préfère mon GPS, il parle mieux que ça. Non mais après, je suis pas ton GPS d'abord. Bah alors pourquoi tu me fais mon GPS? Fais le GPS correctement, fais-le pas, hein! C'était pour te tromper? Bah non. T'es loupé. En même temps, il n'y a qu'une route. C'est sûr que si tu te perds sur une route, bon, c'est vrai qu'on t'a déjà perdu dans un champ rond. Bon, je me suis perdu sur une ligne droite. Hein. Ouais, truc compost, là, c'est le truc qui est à gauche, là. Oh, j'ai vu Joe se C'est là où je TP. suis. Ouais, y a un truc, faut tourner par le petit chemin qui est à Alors, gauche, c'est machin. soit. Tu regardes, attends. T'as combien? T'as Ouais, 35 000 c'est toi dans ça. ta bétaillère là. C'est une auto-chargeuse, Guigui. J'ai 34 000. Tu peux essayer de vider leur marche arrière. Donc, ça va être sympathique en plus de voir la manœuvre.
Bah ça va, c'est pas une Dolly. Hein. Dommage. Non, non, c'est très bien. Il faudrait qu'on en trouve une avec Dolly. Non, ouais. Non, rien à foutre. Et, ah, et en plus, et Guigui, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais mettre de la boue. Ouais. Là, je me disais, j'avançais pas, mais j'avais le godet qui était par terre. Ouais, Dolly, c'est la connerie absolue. Hop. Y a pas un moment, tu me dis, je peux vider? Si, mais t'es trop loin, là. C'est pas la benne qu'il faut mettre dans le machin. C'est ce qu'il y a dans la benne qu'il faut mettre dans... Foiré. Non, mais j'ai rien qui s'affiche. Si, ah si, si, c'est là. Ah, je peux plus tout mettre. Non, bah le reste, tu vas le mettre en haut. En haut. Alors, c'est où tu me dis en haut, là? Bah, tu repars d'où t'es venu, là. Ouais. Hop, là. Pouf, pouf, pouf. Et juste après l'arbre, t'as un chemin. Tu me vois? Tu me vois? Tu me vois? Tu me vois? Non. Ouais, alors déjà, ouais. Je lui ai dit juste après l'arbre, l'autre, il coupe déjà comme un rat mort. Et maintenant, bah, il galère comme un con pour monter. Bah non, regarde. Hein? Ah. Voilà. Ouh, ouf. Non, mais parce que tu lui as pas indiqué le bon côté de l'arbre, c'est pour ça. Ah, vache! Quoi? Ah, je viens de me prendre un TP, laisse tomber, quoi. Un TP? Bah, le tracteur qui s'est TP. Un Tony Parker? Ouais, un Tony Parker in the wood. Un Tipeee. Et on peut redescendre par là, là? Oh, c'est terrible, bon, bah, péril, hein. Je crois que jusqu'à la fin de la vidéo, je vais devoir arrêter de faire de la bourrée. Hein. Ouais, parce qu'il y en a un qui t'attend. Bah, alors, dépêche-toi. T'avais qu'à vider plus vite le compost. Alors, hein. Je sais pas si je l'ai mis sur la partie, je crois pas que je l'ai encore mis. Non, c'est pas là-dedans. J'ai pas dû la mettre, la Lélie 3 essieux. Ah si, je l'ai, la Lélie 3 essieux. Ouais, mais 134 000. Non, mais il y a Joe qui est en train de nous rapporter de l'argent. Bah, Joe, il est en train de moissonner du blé, alors. Ah. Bah, c'est pour ça que je dis qu'il est en train de nous rapporter de l'argent. Bah, fou, c'est contrôlé pour vider. Oui, c'est contrôlé. Bah, pourquoi il veut pas? Peut-être parce que t'es pas sur la sélection de l'outil. Parce que le blé, ça va pas nous rapporter grand-chose, hein. Ça peut. 478. Non, peut-être de la farine à vendre, non? Ah oui, c'est vrai qu'il y a de la farine à vendre. Hop. Tac, qu'est-ce qu'il me reste comme tracteur? Bah, je vais être obligé de prendre le... Bah, t'as pas ton massé? Ah si, mais il est à la benne. Je vais prendre le... l'huile. Non, mais tu peux lâcher la benne? Eh, si, t'as le classe. Oh, putain. Mais oui, c'est ce qu'il était en train de dire. Ouais, mais je vais pas prendre le classe, je vais prendre le case. Ah, t'as raison, tu prends pas les trucs qui avancent pas. Bon, je mets un classe, moi. Les gars, le classe, il avance mieux que mon John Deere, donc... Oui, c'est mais toi, ton John Deere, c'est des mulets. Hop là. Regarde, Cyprom, il a encore pas fini de vider la remorque. Eh, toi, on t'a dit, tu pouvais labourer de l'autre côté. Alors, au lieu de te plaindre et d'attendre et de rien faire, bah bosse. D'abord. Quand tu labours un champ, tu labours d'un côté et tu poursuis. Oui, bah c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef. Alors, hein. Quel chef? Moi. Bah, je... C'était qui, toi, d'abord? Moi. Moi, je sais pas, on m'a dit qu'on avait plus de chef, qu'il avait quitté la team. Hop. Oh là, si. Ouais, je sais, faut que je règle. Je sais. Et là, je m'agace dans mes manœuvres, alors du coup, je fais un peu moins gaffe au bruit. Mais moi, il y a Guigui qui m'a dit que c'était facile pour vider. Eh, mais t'es encore au compost? Bah oui, c'est ça le problème. Ben non, mais ça y est, j'ai fini. Quand je te dis que je vais devoir attendre, c'est parce qu'il est encore toujours au compost. Non, en tout cas, ta résolution, c'est pas d'arrêter de te plaindre. Qui? Mon Dieu. Hein?
Je te l'ai dit, ma résolution, c'est de pas changer. Toujours en train de couiner celui-là. Ah oh, putain, mais. Oh, il y en a pas. C'est quoi cette épée que je me prends là? Il y en a pas sur la ferme, la map. Non, mais je capte pas, ça fait 3-4 fois que je me prends des gros TP là. Ouais, mais je sais pas ce qu'il y a. Sur la partie, je pense qu'on doit avoir trop de ballots. Et faut qu'on les élimine. Après, tu me diras, en MS, je suis pas ouf. Hein. Enfin, non, mais MS sont bons, je suis à 20. Non, non, ils sont bons, j'ai des conneries. Mais j'ai pas regardé quand je me fais des TP si je me prends des pics d'un coup. Parce qu'après, c'est moi qui vous héberge. Hein. Ouais, enfin, ouais, mais moi j'ai toujours été stable donc. Tout droit, Cypre. Quoi? Tout droit. Parce que je vais aller tout droit, je viens de la gauche. Bah après, tous les chemins mènent au Rhum. Ah, tu faisais tout droit, tu tournais à droite, tu faisais. Tu passais entre le champ 20 et le 19, puis après tu revenais sur tes pas, c'était bon. Ouais, bah je vais à gauche, à droite, pareil. À droite? Fais gaffe, on va aller vendre la farine. Cyprom qui arrive. Ouais. Garde-toi et loin de la route. Hein. Bon, ça va faire. Je fais confiance. En deux mots. Eh, ça passe crème. Sans problème. Il est 10 ans, Ozzy, il est 10 ans. Même pas, on a rayé la peinture. Bah heureusement, parce que sinon Joe, elle était trippée. Non. Joe, il m'aime bien. Oui, mais il aime encore mieux son tracteur que toi. Allez, on va vite charger la farine. À droite. Donc, ce sera pas dans l'épisode qu'on aura un nouveau tracteur, mais peut-être dans le prochain, ou peut-être pas. On sait pas. Peut-être, oui, non. À vous de voir. Suite au prochain épisode. Hop. Alors, je vais sortir ma force herculéenne. T'as mangé de la soupe pendant que j'étais en vacances? Des épinards. Bonjour Popeye. Crac. Eh, vous avez vu comment je pose ça? Oh les amis, il y a Cyprom qui vient de revenir dans le champ. Bah, je vais commencer par l'autre côté, ça va te détendre. Crac. Hop là, on s'angle. Alors, est-ce que c'est mis en route elle? Oh là là. Mais non, tout se passe bien. Jo, je te dis pas l'état de ton tracteur. Ouais. Ouais. Quand Clément va revenir, tu peux lui faire faire la révision. Ouais, enfin, en même temps, il sait faire que Renault, alors... Je crois que c'est plutôt la révision du volant, là, Sissi, qu'il va falloir faire. Ouais, putain, faut que je m'en occupe, lui. Hop. Le Pérou. Hop. C'est par là. Oui, ça s'appelle la méthode feignant hein, quand même, ce que je fais. J'avoue. Mais bon. Mais ça, on n'en doutait pas, hein. Avec la palette là. Hop. Tac. Et en attendant, c'est un super plateau que j'ai fait. Hop. Voilà. Le dernier, on peut en avoir un peu mieux. Ouais, ça va bien.
Tac, 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 tac. Hop là. Alors, on va regarder vite fait où on vend le plus cher. Je vais emmener tout ça. Alors, on vend ça le plus cher. Ouh. Ah non, c'est le pain. Merde. Oula, c'est où ça? C'est où ça sur la carte? Ah, c'est là-bas. Certainement en haut. D'accord. Hop là. En train de jouer avec les ballons. Qui? Quoi? Moi non, je suis avec les palettes là. D'accord. Parce que. Je sais pas, je me prends des chutes de Eh, ouf je sais là, pas, je moi, comprends c'est pas. pas. Mon jeu est pas fluide. Est-ce des problèmes Je de tourne à 20 synchro? FPS. On a un problème, les gars. J'ai pas Et là, je remis. suis C'est quoi remonté à la touche 40 pour FPS FPS là. déjà? F3. Non, F2. Ouais, F2. Là, je suis à 60. Là, je t'ai descendu à 20 FPS là. Ah mais c'est bizarre parce que où t'as des chutes de FPS ou À t'as pas chaque les fois. bots. Ouais, mais regarde, à chaque fois qu'on était emmerdé, c'est avec les bottes, quoi. Regarde, la dernière fois, quand tu les rangeais, on était avec Ouais, Joe, on était super mais loin. c'est Voilà, je suis parce avec que les je l'avais palettes là. chargé en autoload. Et je me demande si c'est pas Non, les. c'est pas Non, tes je me demande bottes, si c'est pas frérot. les plateaux qui font chier. Les Parce que là, dolly? je suis. Ouais, les plateaux avec les dolly, ouais. Remarque, c'était les dolly la dernière fois aussi, quand Ozzy s'occupait des bottes. Ouais, mais il y a le problème quand même des bots, parce que quand tu les charges en autoload, elles sont plus petites et après elles grandissent. Ouais, non, mais Oui, mais c'est ça, peut-être le c'est. plateau, justement. Ça reste le plateau aussi. Il y a les deux, en fait. Tu vois, il y a les deux qui peuvent être mis en Le cause. blé, j'en fais quoi? Je le vends? Ouais, on peut. Ouais, stocke-le, Joe. Ok. Quoi On que, verra. tu me diras, depuis tout à l'heure, je me prends des TP, des machins, t'avais les dolly, on s'en servait pas. Hein. Puis on J'en n'était pas suis dans les pas. ballots non plus, hein. Bah. Non, mais c'est peut-être juste la présence des ballots. À la différence des Ah oui. dolly ou. Mais bon, on va essayer d'éliminer tout ça et puis on va bien voir. Bah, lui, il faut essayer d'éliminer en premier, parce que ça va être le plus simple, je pense, c'est les ballots. Mais. Et puis, si ça règle pas le problème, bah, on vendra les dolly, quoi. Bah, le plus simple pour si tu veux boire, c'est de vendre les dolly. C'est plus simple de vendre les dolly que d'utiliser les ballots vu le nombre. Ouais, enfin, sauf que si elles sont pas là, faut les racheter. Oui, non, mais oui. Ouais, non, non, mais on va bien voir. On va bien voir parce que je sais qu'on a Mais oui. déjà eu des problèmes sur la partie, qu'on a eu des lags, qu'on avait plus ou moins trouvé ce que c'était. Donc, vu qu'on a aussi pas mal d'heures sur la partie, est-ce que ça peut être ça aussi qui nous fait des problèmes? Parce que je sais que Farming 17, c'est un peu comme Farming 15. C'est plus vous avez d'heures sur une partie et plus il y a des risques de bugs. De bugs de la partie. Donc, il faut voir éventuellement, peut-être en redémarrant une partie à zéro. En conservant nos véhicules, mais Quand tu avais switché sur cette map, oui, t'es reparti à zéro du coup. vas-y, roule plus vite encore, Guillaume, roule plus vite, roule plus vite, roule plus vite, roule plus vite. C'est pas comme si t'avais un plateau derrière chargé. Adoli. En plus. Le truc du compost, ça va relativement vite ou pas? Ça peut. Au moment, ça doit faire à peu près un demi-plein, donc ça doit faire 20 000 à peu près le temps que tu fasses l'aller-retour. Ok. Je crois, hein, je suis Donc pas sûr à à la 100%, limite, mais. il faudrait que je mette une benne là-haut et après, entre toutes les deux bennes, essayer de la vider dans le truc, quoi. Pratiquement, ouais. Ok. Bon, bah moi les amis, je vais vous dire qu'on va s'arrêter à peu près là-dessus. Hop. Donc vous allez pas savoir combien d'argent on va avoir Au final. au final. Puisque Oh, tu là, fais des hop cacheteries. là, je m'arrête. Oh, le Je m'arrête coquin. pile avant le trigger. Hein? Et si vous voulez le savoir, eh ben, faudra venir au live. Voilà, faudra venir donc samedi soir au live des coulisses des 1000 vaches. Ça Ou sera dans la sur prochaine YouTube. vidéo. Ou dans la prochaine vidéo, tout à fait. D'ailleurs, je sais même pas où il est le trigger. Ah, si, il était là, il est juste là normalement sur ma droite. Merde, la marche arrière, elle est pas là. Ah, puis ça, c'est pour éteindre les moteurs. Hop. Voilà, donc normalement, le trigger, il est juste par là. Il est juste par là. Après, si vous savez à peu près en calcul, hein, si vous êtes pas trop mauvais en calcul, vous savez que c'est à peu près 1000 euros les 1000 litres. Et que j'ai 9 palettes. Hein.
Ah, mais est-ce que c'est 9000 litres? Allez, sur ce, moi, les amis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était les fameux du dimanche sur la carrière des 1000 vaches. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, ciao. Et n'hésitez pas à aimer, liker, partager, commenter la vidéo. Hashtag résolution. Hashtag résolution.